Allez, premier rinçage pour Robin. On arrive tranquillement. Voilà. Alors, on passe au centre, et interception de l'Anastasia, et première attaque pour Roxane, elle sert derrière vers Emma, Anastasia. Andrea, première tentative, et le ballon n'est pas perdu pour Salon, Anastasia. Ma, Roxane, ça circule bien, elles avancent, elle est bien partie, Roxane. Passe au centre, et la défense de Robin n'a pas laissé passer cette première salve d'attaque des joueuses de Salon. Et bien, elles ont toujours pas dans la main, les joueuses de Salon. Anastasia, Andrea. Tire le but de la numéro 1. C'est boxé dans le camp de bain. Un message réussi. Allez, une tentative. L'occasion était trop belle pour Salon de Provence. Allez, le ballon dans les mains des joueuses de Provence avec Anastasia. Le temps de ballon très peu de temps, les joueuses de Salon. Et là, on va au centre, on va bien placé. Et tiens là. Le ballon dans les mains de Robin. Allez, qui là, il faut faire le score. On va laisser les deux de France se prendre le large. Alors, le ballon. C'est dans les mains de la France, justement. Rossal. Après, ça circule bien. Et Rossal, elle pose le cas. En disant que les mains. Voilà. C'est dans le camp de Hongrocien. Oui. Elle a passé le ballon, elle a récupéré. Allez, elle passe au centre, oui. Ça circule vite. Tire le but de Roxane. Un massage sur Provence, ça va vite. Roxane a le ballon, passe sous le cercle, revient, passe le ballon à Louise. Ouais, maintenant, on va lancer la vitesse par là.
Alors on les salue en construit avec Anastasia, puis Louise, Roxane. Elle passe largement en fait, elle va pouvoir attaquer le but de Oma. Roxane. Pierre Louise. Ah, alors à terre. Et c'est Roxane qui est là pour Salon-Provence, donc il va devoir donc ressortir son ballon, reprendre son temps pour reconstruire. Anastasia. Allez, nouvelle attaque provençale. Passe au centre vers Anastasia. La défense d'Aubin est bien revenue. Bien compacte. Et ça circule, ça circule, ça circule. Roxane passe derrière. Alors c'est peut-être l'occasion pour Robin maintenant de profiter de cette pénalité pour essayer de faire tourner le score un petit peu. On est pour l'instant bloqué sur 4 à 1, dans la terre, derrière, il y a le bas. C'est Clara, je crois, qui a ramassé ce ballon, qui a passé à Chloé. Elle préfère revenir dans leur camp, les 4 joueuses dans le deuxième avec une nouvelle tentative maintenant. Et là, c'est toute une joueuse.
On va aller voir le camp avec là. Alors, on se prend encore un massage. On va tout faire. Sous le panier. Arrachage. Allez, voilà. On va rentrer dans la salle. La salle va passer à Emma. On va rentrer dans la salle. Au score, il y a encore un petit peu de marge, donc il faut gravir ces 6 marches qui nous séparent de l'adversaire rapidement. Il nous reste maintenant moins de 5 minutes de jeu dans cette deuxième période de ce match. Mais le ballon est toujours pour Romain. Donc, avec Louise. Voilà, elles sont bien ensemble, les joueuses de salon. On va pas de construire, même de discuter de l'attaque. C'est parti. Avec Anastasia, au centre. On va mettre ça sur la droite. Ensuite, Emma se place au centre. Voilà, déjà, on va avancer, on va essayer, je ne sais pas. Il a été perdu, mais pas complètement puisqu'ils l'ont récupéré. Donc on va être toujours dans les mains des joueurs de Provence qui vont circuler rapidement. Ça passe comme ça ensemble. Et puis la marque. On est en jeu commun, c'est parti. Bien parti, numéro 4, Coé, 5 pour 5.
Allez, le ballon dans les mains de Robin, numéro 5. Ah, le cerceau, pas de chance. Le ballon roule sous les pieds des chevaux. Bien fort,